bouscule de son discours, il proposa d'acheter ses poids de 150 francs l'unité. Le regard hagard caressant le hasard sous un hangar, je suis tombé sur une scène et cette scène m'a fait penser à l'innocent assis sur le banc des accusés, à Mandela derrière les barreaux bouche bée, à l'agneau dans la fable de la fontaine. Là, debout en face de lui, Fatima l'écoutait débuter son galimatia d'acheteur de mauvaise foi, sa verbisération de commerçant de mauvaise alloi. Chaque phrase qu'il prononçait, qu'il accouchait, chaque phrase qui rampait de sa bouche, chaque phrase qui sortait de sa bouche, Fatima la ressentait, la recevait comme une paire de gifles, comme un coup de poignard dans le dos, comme une strangulation, comme une balle dans la tête. Soudain, elle sentit son cou la serrer, son pouls s'accélérer, ses yeux et ses joues s'humecter, ses yeux et ses joues devenir des fleuves. Elle pourrait et ne pouvait s'empêcher de le faire. Quand elle pensait et pensait au feu, aux flammes qu'elle avait affrontées, à l'argile qu'elle avait transportée, transformée, façonnée, à tous les efforts qu'elle avait conjugués pour obtenir ses peaux. Elle pleurait parce qu'elle savait que ses peaux valaient bien plus que 250 francs l'unité. Depuis la nuit des temps, depuis la nuit et le jour des temps, depuis le temps d'un temps, pour ce peu, pour un bleu, pour un noir, pour un rouge, on pleure, on meurt, on crie, on décrit, on prie. Quand les attentats nous alarment, les catastrophes naturelles nous mettent en larmes, le mal, c'est que cette situation suscitée, l'histoire de Fatima, cette femme qu'on gruge, qu'on abuse au vu et au su de tous, n'inquiète personne et personne ne lève le petit doigt, le drame, c'est que les femmes elles-mêmes se font complices par leur mutisme. Au lieu de lutter, de combattre, elles préfèrent se cantonner ça, soir devant des écrans, taguer, liker, selfiser, commenter. Et pendant ce temps, elles ont faim. Et pendant ce temps, elles meurent de misère. Et pendant ce temps, elles agonisent d'ignorance. Sur ces réseaux sociaux chronophages, elles clavardent, bêtises de bavardage. Et on oublie l'essentiel, on s'élance à la chasse d'une tontine de likes d'hypocrites, à la chasse de commentaires vils et sournois. À la chasse de commentaires vils et sournois, du genre chic ci, chic ça, chic balade, chic coiffure, chic voiture, chic pluie, chic enterrement. Et on oublie l'essentiel et on se lance dans ces commentaires. Le hic, c'est que les tics sont devenus éthiques. Du tic au tac, du clic au chat WhatsApp, du tic au tac, du clic au chat Snapchat, du tic au tac, du clic au chat Facebook, du tic au tac, du clic au chat Instagram. Pourtant, un bon site peut transformer l'histoire de lignée. Pourtant, une bonne application, un bon logiciel à bras, cadabra, Eureka, te voici assis sur le dos des nuages à la conquête du monde. Eureka, te voici assis sur le dos des nuages à la conquête du monde. Mesdames et mesdemoiselles, ce n'est pas une histoire de cette eau compliquée ou une histoire de c'est pour les garçons. Qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Pour celles qui sont aux antipodes des tiques, répentez-vous. Et pour celles qui sont avec les tiques, utilisez-les à bon escient. Car bien utilisées, les tiques favorisent et facilitent l'apprentissage de tout, brisent les barrières de tout et permettent à tout le monde d'être au courant de tout. Les tiques permettent de faire entendre sa voix, de mener des combats. Si Fatima savait l'utilisation des tiques, si elle connaissait la puissance des réseaux sociaux utilisés à bon escient, jamais elle ne serait fait gruger. 3000 likes, 3000 vues, c'est bon. Pour les commentaires, c'est vrai que c'est bien. Va se balader sur Facebook, c'est bon, mais maîtriser Excel, trouver des solutions pour améliorer la condition de la femme et de l'humanité, c'est mieux. Si Fatima connaissait l'utilisation des tics, si elle savait trouver des marchés sur Internet pour vendre ses peaux, jamais elle ne se serait fait gruger. PS, je n'invente rien, ce que je dis, vous le savez. En réalité, l'histoire de Fatima s'est réellement passée. C'est là-bas chez moi, à Katula. Je vous remercie.